الهي ما انا باول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك بير الله بير الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وسحبه المنتجبين مشافع الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. nous avons commencé depuis fort longtemps. nous avons parlé et effectivement de de l'émission passée de, de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu wa et nous avons aussi parlé du fait qu'il soit le dernier des prophètes, le sceau des prophètes et nous avons enfoncé des arguments qui puissent prouver réellement qu'il est le sceau des prophètes. Nous avons essayé de dire que dans l'émission passée parlant du fait que le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, soit le dernier des prophètes, vraiment est expliqué en quelques points. Le premier point dans quelques points, le premier point c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'enseignement qu'il a pu envoyer, il a même dit que dans l'un de ses hadiths, « halal Mohamed, halal ila yawm al-qiyamah » Il dit que tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu rendre licite, il, rester, il restera licite jusqu'au jour du jugement dernier. Tout ce que Mohammed a interdit reste interdit jusqu'au jour de la rétribution. Donc, à partir de ce moment, mes chers frères et nous pouvons aussi parler réellement qu'il est le dernier des prophètes. Dans de ce cadre-là, nous avons aussi parlé que le Coran a essayé de nous dire dans ce verset coranique. وما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كي دي كي إن بعيد إن بعيد تلو برد لندفوا parmi les les disciples mais il أبا أحد من رجال ولكن رسول الله صفقة لته إم prophet Il est un prophète. Voilà que Rasoul Allah wa khataman Nabiyin est le dernier des prophètes. Et nous avons dit qu'il y a eu des explications. On parle de la prophétie en termes que il est le le, 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 le plus grand en honneur en fait de, parmi tous les prophètes. Donc il est le prophète vraiment qui a été glorifié par Allah Subhanahu Wa Taala que tous les, tous les autres prophètes. Il est le prophète qui a plus de valeur. Il est l'ornement, hein, l'ornement de tous les prophètes et la de tous les prophètes. Donc, effectivement, lorsque vous essayez de regarder mes chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre ensemble, nous pouvons comprendre ensemble que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce verset, qu'il était, il fut le dernier des prophètes. Et aussi, nous avons fait appuyer ce hadith par l'un des hadiths, parce que nous avons appuyé ce verset coranique par l'une

Il n'y aura pas de prophètes. Donc, après, après moi, qu'il n'y aura pas de prophètes, effectivement, nous pouvons conclure que le prophète est, il est le dernier des prophètes et nous avons parlé de ce point-là. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de, ce, de la prophétie, la prophétie aussi, eh, lorsque le prophète n'est plus dans ce mammon, donc la prophétie est, prend terme, eh, est appelée à, à sa fin, eh, mais en réalité, qui va rester réellement parmi la communauté musulmane? pour garder, pour jouer les mêmes rôles que le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez avec nous que nous allons essayer avec vous d'aborder un nouveau thème, c'est ce qui est l'imamat, Et l'imamat qui, qui est un thème très important et aussi qui, qui occupe réellement dans les fondements de la religion musulmane, peut-être qu'on peut, qu peut s'exprimer ainsi la, troisi, la, troisi, la troisième place, effectivement. Lorsqu'on veut parler de l'imaman. donc nous allons essayer de vous parler de la définition de et la nécessité de l'imaman etc. Et nous allons essayer de parler en long et en large réellement de ce thème-là parce que ce thème il est très important. Très important dans ce sens que lorsque vous regardez l'histoire ou la biographie de certaines, de la prophète, de la, après la, euh, certaines personnes, ou si vous voulez essayer de lire aussi l'histoire de la communauté musulmane euh, depuis le passé, après le décès du prophète Mohammed jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu euh, les musulmans qui ont pu causer réellement une euh, effusion du sang euh, comme elle a, a été pour euh, l'imamate. Donc, l'imamate, les musulmans se sont, se sont entretués pour cette cause-là, et ça a été vraiment la cause de l'anéancement d'une bonne personne, d'un musulman. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir, c'est un thème aussi central de la religion musulmane, parce que celui qui doit venir succéder au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit avoir été formé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit avoir certaines qualités qui le diffèrent des autres, mais qu'il ne soit pas un prophète. Donc lorsque vous essayez de parler de l'imam, il est important que nous puissions vous tracer que l'imam a été expliqué par les savants, étant bien que les littéraires ont essayé de l'expliquer. Ils disent que... Et tout ce qu'on a pu suivre, que les gens su, suivent, et on l'a pu donner comme étant, le présenter comme étant le guide d'une communauté et la communauté le suit, en réalité celui-là même est un imam. Et c'est ce que vous allez trouver. Nous avons comptabilisé toutes choses dans Allah al-mahfouz mahfouz qui est auprès d'Allah, qui est la science de Dieu. Et les imams aussi, lorsqu'on essaie de partager les imams, vous pouvez trouver des imams, qui, dans le sens large du terme, des imams aussi pour les, pour les mécréants, les imams aussi pour les croyants, et, etc. Il y a deux sortes d'imams. Un imam qui est juste et un imam qui est injuste. L'imam qui est injuste, qui est juste, le Coran nous dit et nous, nous, nous les avons rendus effectivement des imams afin qu'ils puissent guider vers nous l'amma en dans l'état de, de la patience, qu'ils soient dans la patience ils puissent guider la communauté vers nous dans la patience et aussi il y a aussi l'imam aussi de des de l'injustice si on peut s'exprimer ainsi on a dit waqatlu a immat al-kufr c'est-à-dire que les imams qui, qui sont injustes qui sont mécréants donc ce sont ces imams là qui guident les mécréants vers la perversité des plus. Donc en réalité lorsque vous regardez on a essayé de définir l'imam comme étant bien en réalité un sujet qui puisse englober, qui puisse être aussi compris, l'imam puisse être aussi un mécréant et il peut être aussi un croyant. C'est important. Le croyant guide les musulmans et les mécréants guident les mécréants vers la perversité et les croyants imams vers la lumière et, la, et le succès. Et effectivement, lorsque vous essayez de voir aussi eh, le thème technique de l'imam, vous allez trouver que Ria Saram, l'Ishaksiminal Ashras, fait l'humour d'Iniya ou d'unia. Il dit que c'est euh, la présidence, eh, la gestion des affaires d'une de, personne ou plusieurs personnes fait l'humour dinia ou d'unia. C'est-à-dire que dans les affaires euh, religieuses et aussi dans ce bamon. des choses qui sont liées à ce bamon. Il est le guide, c'est lui qui gère, il a la gestion de ces choses ou aussi, ce qui est aussi lié à l'au-delà. L'imam aussi a été défini par d'autres personnes comme imam Maria Saama, fi Il dit c'est la présidence ou la gestion euh, de, générale des affaires de la religion et de ce monde, nabi à condition qu'ils soient les successeurs du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et effectivement, lorsque vous essayez de voir cette définition, vous allez trouver avec nous, que mes chers frères et soeurs, que les sunnites et les chiites sont unanimes sur cette définition parlant de l'imam. En réalité, vous pouvez comprendre que eh, l'imam, d'abord, il est le guide, il est le chef, il est le guide mais il est aussi le successeur du prophète Mohammed. Cela est très important. Et il faut comprendre que l'imamat et le khalifa, ce sont les termes réellement que on peut s'exprimer aussi, des, des termes qui s'expliquent l'un l'autre. Donc en réalité, dans le, euh, comment on peut s'exprimer ainsi, on peut s'exprimer ainsi. Dans, le, dans, dans les fonctions, il n'y a aucune différence entre khalifa. Et aussi un imam. Donc, il est important que nous puissions aussi voir que l'imam, il est le successeur légitime d'Allah il est le représentant divin du prophète Mohammed il est le, tel que le prophète Muhammad est le représentant de Dieu. Donc, il est important que l'imam soit parmi la communauté musulmane. Aïkso, vous allez trouver que l'imam a été relaté par

Il dit « ce jour si j'ai parachevé pour vous votre religion ou j'ai déterminé pour vous mon bonheur tout j'ai agrémenté pour vous l'islam j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc en réalité lorsque vous essayez de voir et il était dit que j'ai parachevé pour vous effectivement l'islam comme religion. À cause de quoi À cause de l'imam. parce que cela, cet événement s'est passé dans Radir Khum, à la présence de plusieurs musulmans, et le prophète a dit Man kuntu yun celui dont je suis son maître, Ali est son maître. Donc après, il a dit Ayoum akmal lakum dinakum, wa atmam tu a laikum wa lakum l'islam Donc en ce moment, il a, il a essayé de lire dans ce contexte-là ce verset coranique. Le verset coranique dit aussi que, et le fait de parachever son bonheur est un moyen réellement de l'imamate. Il a aussi dit qu'il est, il est tout à fait engagé de protéger la religion. Il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions parler que l'imamate joue un rôle important dans la vie des musulmans, dans la vie de la communauté musulmane. C'est pour cette raison que vous verrez avec nous, que, mes chers frères et sœurs. Le prophète Muhammad, à chaque fois qu'une bonne occasion s'est présentée à lui, il ne faisait que essayer de parler de ce thème important. Il est important, l'imamat aussi a été exprimé, le mot imamat dans le Coran comme dans les dans aussi dans, les dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa le prophète dit ceci que imam celui qui meurt sans pourtant connaître réellement l'imam de son temps il meurt réellement mécréant et païen et il a été dit par imam Sadiq effectivement que la yunadi la yunadi bishay'in kama nudiya bilwilaya il dit personne, il ne sera appelé des personnes à, à demander réellement le jour, le jour de la résurrection comme il en sera pour Al-Wilaya, ça veut dire el imam Donc le mot Al-Wilaya, le mot imam, le mot khalifa, ce sont des mots synonymes qui sont là, qui ont le même sens et l'imam et le khalifa, aussi le wali, ont les mêmes fonctions par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez comprendre que le prophète Muhammad, lorsqu'il a commencé réellement son message prophétique, il a, il a fait appel, effectivement, à ces, ces grandes personnes qui se trouvaient, les, les chefs des tribus qui se trouvaient à la Mecque. Il les a invités chez lui et essayé de parler de la religion. Ils ont dit que non. Il dit réellement que celui qui m'accepte cette religion, et il sera mon successeur, il sera mon, mon héritier, il sera, il sera, il sera. Personne ne l'a accepté. C'est Imam Ali alayhi salam, qui a pu accepter et dire moi et le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi salam. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point à chaque fois qu'une occasion se présentait à lui, parlant effectivement de l'imam, il le faisait.

Tout cela existe en réalité, c'est pour dire que le prophète a saisi des bonnes occasions pour pouvoir faire l'annonce des khalifes, de l'imam qui devrait réellement le succéder. Donc il a parlé de ça, Kitab wa itrati. Il dit je vous laisse des choses lourdes, le livre de Dieu et ma famille. Donc cela est très important mes chers frères et sœurs que nous puissions essayer de mettre ensemble tous ces éléments pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il, est, il reste le prophète et le successeur réellement a été désigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis les premiers temps de l'islam jusqu'au décès du prophète Muhammad, vous voyez que le jour de Gadir khoum le pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été fait dans une telle condition parce que le prophète Mohammed avait envoyé les lettres aux, aux, à ceux-là même qui étaient proches de la Mecque et même vivaient euh, loin de la Mecque, afin qu'ils puissent venir participer effectivement, effectivement au pèlerinage, parce qu'il avait un message important à donner. Et ce message important, ce n'était rien d'autre que "Man kuntu Maula fahada Aleyun Maula", c'est-à-dire que celui dont je suis son maître. Ali est aussi son maître. Cela s'est passé et 90 jours après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa est décédé. Donc en réalité, c'était un souci d'annonce. Il voulait annoncer, faire cette annonce. Il l'a fait et alhamdulillah, Imam Ali a été fui fui nommé comme étant bien le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa de ces jours. Ilahi! D'autres personnes qui essaient de dire que le Wali, -huna, ça veut dire que lorsqu'on parle de Wali, ça veut dire que celui que j'aime, hein, celui-là même que j'aime. Donc, en réalité, ça ne dépasse pas ça, ça ne gagne d'autre vie. Oui. Le Walis, lorsque vous regardez, il fait partie de certains sens des wali, celui de wali, celui-là même que j'aime et celui que, que, qui m'aime. Mais en réalité, ici, le prophète n'avait pas besoin d'appeler les musulmans. Et ceux qui s'étaient détachés de, 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 de la troupe des musulmans, des rangs des musulmans, pour se dévancer après le prélénage d'Adi avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a envoyé des émissaires pour les faire retourner, pour qu'ils puissent les annoncer réellement. Une bonne nouvelle. Et le, la nouvelle était que la nomination d'Imam Ali alayhi salam. Donc ce n'était pas pour dire à la communauté que Imam Ali il est parmi vous et aimez-le. Ça, ça est dans sa place, le Coran l'a dit. Je vous demande seulement qu'un salaire. De ma prophétie, de tout ce que j'ai pu endurer, endurer pendant ma vie, que seulement, seulement l'amour pour ma famille. Le Coran avait parlé de ça et le prophète Mohammed n'avait pas, pas besoin réellement de parler de ces, cet élément-là. Donc, en réalité, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre que l'imamat est un élément nécessaire pour tout musulman. Et chacun de nous doit essayer de mieux comprendre qui est son imam de son temps. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui sont là, qui détestent ou souvent qui, qui parlent de certaines choses, et ils ne savent pas que dire. En réalité, nous avons besoin de l'imam de notre temps. Et c'est ce que l'imam de notre temps, ce n'est rien d'autre que sahib zaman Zaman, Buzaman, ta'ala Farajahu Sharif. Et il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent à connaître l'imam de son temps, mais il y en a d'autres qui refusent totalement comme il a été dans le temps passé. L'imam de notre temps ce n'est rien d'autre que Sahibul Zaman eh, Imam Al-Mahdi qui va apparaître insha'Allah eh, bientôt si Dieu le veut eh, pour, eh, pour remettre pour mettre le monde sur la balance de l'équilibre et essayer de promouvoir la justice et l'équité entre les musulmans. Cela est très important mes chers frères et sœurs que l'imam de notre temps existe, Inch'Allah, que le temps nous accorde. Nous allons essayer réellement de parler de ces éléments-là. Il est important, mes chers frères et que nous essayons de dire que le prophète Muhammad, il a essayé une même fois de pouvoir annoncer encore de plus aux musulmans en réalité l'imam qui devrait le succéder. Donc, notre dernière intervention, Inch'Allah, dans la semaine prochaine, ça va se porter réellement sur l'imam, la condition de l'imam et l'imam est-il, il est nommé par qui et comment il est nommé. Il faut qu'on le comprenne et quelles sont les limites de sa science et etc., etc etc etc. afin que nous puissions essayer de, 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 de faire comprendre aux autres que l'imam doit être au centre de notre vie. Il est le repère qui nous guide vers l'islam vrai et aussi nous, qui nous fait que nous maintenons, qui, que nous, qui fait que nous puissions maintenir notre foi. Donc il est important, mes chers professeurs, dans un tout thème, que lorsqu'on parle des imams, il est important que nous puissions parler aussi de la définition de l'imam, qu'est-ce que l'imam veut dire. Et nous allons aussi parler effectivement de l'infaillibilité de l'imam. Imam, imam est-il infaillible ou pas S'il est infaillible, quelles sont les preuves Et aussi nous allons essayer de parler de sa science. La science de l'imam est-elle limitée ou elle n'est pas limitée Et nous allons essayer aussi de parler aussi, en fin de compte, de parler de al donc al ghaïba tout l'occultation mineure et l'occultation majeure, et nous allons y arriver, arriver et parler de cela. Et nous allons aussi parler, effectivement, l'imama dans, dans, dans la tradition du prophète Mohammed, et aussi les équivoques qui ont été suscitées autour, autour de ce thème, et nous allons essayer de répondre à certains de ces, de ces équivoques. Et aussi, en réalité, nous devons essayer de mettre une différence aussi de l'imamat de, de, de la famille du prophète Mohammed et l'imamat des autres familles et des khalifs, etc. Il faut essayer de mettre une différence lorsqu'il s'agit aussi de répondre effectivement les équivoques qui tournent autour de ce sujet. Et aussi, la naissance de Sahir Ouzaman, nous allons essayer de parler de sa naissance et aussi nous allons aussi parler réellement des douze imams concernant les hadiths relatés dans les livres sunnites et pas seulement les livres chiites. Et nous allons parler de ces douze imams. Le prophète lui-même, il les connaissait ou pas, il, il ne les connaissait pas. Donc pourquoi c'est bon de parler de ces douze imams Il les connaissait très bien par nom, donc il y a des hadiths qui parlent réellement des douze imams. Donc, il y a aussi la longévité de notre imam du temps, c'est important que nous puissions aussi parler de ce sujet. Et Inch'Allah, Inch la chaîne prochaine concernant l'imamat, nous allons essayer de rentrer en détail. Nous avons essayé de définir l'imamat un peu sur P. Et ce que nous avons, Inch'Allah, on va essayer d'approfondir notre connaissance concernant ce sujet, la connaissance de l'imam, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.